You are watching Kingdom Builders Network Television. We are Kingdom Builders. We are Nation Builders. We are People Builders. We bring to you the undiluted Word of God with power, prophecy, healings, and deliverance. Stay connected. At the same time, we discover that dreams come from God. Et à la même façon, nous découvrons que les songes viennent de Dieu. And at the same time, not all dreams are divinely inspired by God. Et à la même façon, pas tous les rêves sont des rêves God. De Dieu. Certains songes sont de Dieu. Some are from Satan. Certains sont de Satan. And some from you yourself. Et certains de toi-même. All the three sources equally need interpretation. Tous les trois sources également ont des interprétations. If you wrongly interpret your dream, et si tu interprètes ton songe you incorrectement, can damage your destiny. Tu peux détruire ta destinée. And if you rightly interpret your dream, et si tu interprètes ton songe correctement, you will surely get to where God wants to get to. Tu vas sûrement arriver où Dieu voudrait Because que tu dreams sois. Are our spiritual monitors. Parce que les rêves sont nos moniteurs spirituels. So there are some factors that can influence your dream. Alors il y a certains impacts, certains facteurs qui influencent tes rêves. The condition of which you went to bed also matters. La condition dans laquelle tu es allé ou tu t'es endormi. There ça, are ça some factors that can influence your dream life. Il y a certaines conditions qui peuvent affecter ton rêve spirituel. One of the factors is your prayer and fasting life. Et ces conditions, c'est ta vie de prière. Anyone who lives a regular life of prayer and fasting will not be a candidate of nightmare. Une personne qui vit une vie de prière, de jeûne et prière, ne sera pas un candidat de mauvais songes. So, these are some few factors that can influence your dream positively. Ça, ce sont certaines conditions qui peuvent influencer ton songe positivement. Because many people they have a problem of waking up in the morning with nightmares, having attacks in the dream. Parce que plusieurs personnes ont l'habitude de se lever le matin some avec les attaques. Certains mangent dans les rêves. Some have people sleeping with them in the dreams. Certains ont les gens qui couchent avec eux dans some le rêve. Some have all kinds of terrible creatures pursuing them in the dreams. Certains ont tout genre de créatures qui les suivent dans les rêves. So if you are listening to me tonight, alors si tu m'écoutes ce soir, and you are a victim of nightmare, et que tu es une victime de mauvais songes, one of the factors that can influence your dream positively is practicing a life of prayers and fasting. Une condition qui peut influencer ta vie de songe positivement, c'est une vie de prière et de jeûne. Yes, a person who lives constantly in prayer and fasting will not be a victim of nightmare. Une personne qui vit constamment dans une vie de jeûne et de prière ne sera pas victime de ces mauvais songes. A constant prayer, life of prayer and fasting will not be a victim of having people pursuing him or her in his or her dream. Une personne qui vit constamment dans le jeûne et prière ne serait pas victime de mauvais songes Most pour les gens qui les suivent. Most of the problems we are having generated from a dreamland. Plus des problèmes que nous avons, c'est la source est dans le monde Many des rêves. People have had dreams and they wake up, their lives were shattered. Plusieurs personnes ont eu des songes, mais quand ils se réveillent, leurs vies sont détruites. But if you begin to practice a life of prayers and fasting, mais si tu commences à pratiquer une vie de jeûne et de prière, if you practice a lifestyle of prayer and fasting, si tu pratiques une vie de jeûne et de prière, I promise you that your dream life is going to be readjusted. Je te promets que ta vie spirituelle serait mise en ordre. Thing that will influence your life, your dream life, positively. La deuxième chose qui va influencer ta vie, tes songes positivement. Is purity of thought. C'est la pureté des pensées. Purity, living a pure life. Vivre une vie pure. When your life is pure. Quand ta vie est pure. There are some things the enemy cannot bring into your life. Il y a certaines choses que l'ennemi ne peut pas mener dans ta vie. Most of the dreams we have. Plusieurs des rêves que nous avons. Come to us as a result of the things that are in our mind. Ça vient en tant que résultat des choses que nous avons dans les pensées. Most of the nightmares we have. Plusieurs des mauvais songes que nous avons. Come to us as a result.
C'est comme un résultat de nous qu'on ne vit pas une vie de justice. Some of us, our minds are so polluted. Certains d'entre nous, nos pensées sont polluées. Our thoughts are so polluted and corrupted. Nos pensées sont corrompues et polluées. That when we sleep in the night, que quand nous dormons la nuit, we now have the repetition of the things that pass through our mind during the day. Nous avons la répétition de ce qui s'est des choses qui sont passées dans la journée. It can influence your dream life negatively. Ça peut influencer ta vie de songe négativement. Knowledge of the word of God. Nous avons aussi la connaissance de la parole de Dieu. When you read your Bible and meditate upon it, quand tu lis ta Bible et tu médites sur ça, it has a positive effect on your dream life. Ça a un effet positif dans tes songes. There are some things, some videos, some kind of thoughts the enemy may not be able to deposit in your life. Il y a certaines choses, il y a certains passés que l'ennemi ne peut pas n'est pas capable de déposer dans ta vie. There are kind of evil visions, evil dreams that the enemy will not be able to introduce in your dream life. Il y a certaines visions, certaines choses que l'ennemi ne serait pas capable d'introduire dans ta vie spirituelle. Because your spirit man is filled with the word of God. Parce que ton homme spirituel est rempli de la parole because de Dieu. Because your spirit man is loaded with the word of God. Parce que ton homme spirituel est chargé de la parole de Dieu. I remember a sister came to me complaining that she always eats in the dream. Je me rappelle une sœur qui venait vers moi et se plaignait toujours parce que ça se mange dans les rêves. To pray for her maybe and cast out the demon of eating in the dream. Elle est venue vers moi espérant que je vais prier pour sa sœur et ne suivre ses démons. Oui, on pouvait bien prier et chasser ce démon. Mais je lui ai donné une petite raison. Je lui ai dit, son esprit manque la parole de Dieu. Her spirit is empty. Son esprit est vide. So in the dreamland, her spirit is craving for anything it sees. Alors dans ses rêves, son esprit cherche toutes choses à manger. So I told her to practice reading the word of God. Alors je lui ai dit de pratiquer une vie de la parole de Dieu. To spend quality time on the word of God. Pour passer du temps dans la parole de Dieu. To spend quality time feeding your spirit man with the word of God. Pour passer le temps de nourrir ton âme spirituel. So that you don't go to bed with a hungry spirit. Pour que tu n'ailles pas sur le lit avec un esprit affamé. And so when the enemy comes by night, your spirit is so much loaded with the word of God. Alors quand l'ennemi vient là la nuit, ton esprit est tellement chargé de la parole de Dieu. If you feed your children well in the morning, c'est comme si quand tu es nourri tes enfants très bien they le will matin, not go out and start longing to eat anything they see on the street. Ils ne vont pas sortir pour chercher pour manger n'importe quoi en route. But a child that goes out and is taking anything he sees to eat, mais un enfant qui sort et il trouve n'importe quoi pour manger, sometimes it's a sign that the child was not well fed in the house. Parfois on dit toujours que l'enfant n'était pas bien nourri à la maison. So the time you sleep on your bed, alors le temps que tu te couches sur ton and lit, and you discover that in your dreamland you are craving, looking for things to eat. Et tu te retrouves dans ton rêve et tu cherches quelque chose à manger. Sometimes it is an indication that your spirit man is lacking the word of God. Parfois c'est une indication que ton homme spirituel manque la parole de so Dieu. So when you constantly read the word of God, alors quand tu lis la parole de Dieu constamment, when you constantly meditate on the word of God, quand tu médites constamment dans la parole de you Dieu, you feed your spirit man with the word. Tu nourris ton homme spirituel avec you la parole. You are filled with the knowledge of the word of God. Tu es rempli avec la connaissance de Dieu, de and la you must parole remember de Dieu. With me that et tu dois te rappeler avec moi when que you are reading the word of God, quand tu lis la parole de Dieu, you must not understand verse to verse. Tu n'es pas obligé de comprendre because de verse à verse. Just the simple practice of reading the word of God. Seulement la pratique simple de lire la parole de Dieu. Whether you understand it or you do not understand même it, si tu comprends ou it pas, has an impact in your spiritual life. Ça a un impact dans ta vie spirituelle. Like somebody once complained, comme une personne s'est plaint une the fois, pastor, I read the word of God, I do not understand. Dit, pasteur, je lis la parole de Dieu, mais je sometimes ne comprends rien. It is boring. Parfois, c'est ennuyant. I say yes because you don't have the capacity to contain the word. J'ai dit oui parce que tu n'as pas la capacité de contenir la you parole. You are like a basket that is being used to fetch water. J'ai dit que tu es comme un panier comme qu'on utilise pour puiser de l'eau. And so the basket cannot hold the water. Alors le panier ne peut pas contenir l'eau. But even though the basket cannot hold the water, même quand le panier ne peut pas tenir l'eau, the fact that the water is passing through the basket, le fait que
que l'autre passe à travers du panier, the basket always remains clean. Le panier reste toujours propre. The basket may not be able to contain, to hold the water. Le panier ne peut pas être capable de contenir l'eau. But as the water passes through the basket, mais comme l'eau passe à travers du panier, to clean the basket, ça aide à nettoyer le panier. Remember, I spoke about purity of mind. Rappelez-vous, j'ai parlé de la purité des pensées. When your thoughts are clean, quand tes pensées sont propres, when you spend time meditating on the word of God, quand tu passes du temps, tu médites dans la parole de Dieu, it cleans the mind. Explore heavier. Ça nettoie les pensées. The mind. Ça nettoie les pensées. It purifies the mind. Ça purifie les pensées. And it makes you to think better. Et ça te donne la capacité so de mieux penser. So there are people whose thoughts are corrupted. Alors il y a certaines personnes que les pensées sont corrompues. Because they lack the ability to meditate on the word of God. Parce qu'ils manquent l'habilité de lire la parole. But when you spend time on the word of God, mais quand tu passes du temps dans la parole de Dieu, it does not fill your system. Ça ne remplit pas juste ton système. You are not only eating. Tu ne manges pas seulement. You are taking a spiritual bath. Mais tu es en train de prendre un lavage Come on, spirituel. Tell someone you are taking a spiritual bath. Tu es une personne qui prend un lavage spirituel. So your level of the knowledge of the word of God. Alors ton niveau de la connaissance de la parole de Dieu. Determine the kind of dreams you have in the realm of the spirit. Détermine le genre de type d'esprit que tu as dans le règne spirituel. That is why child of God. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant you de Dieu, be able to keep the word of God. Tu dois être capable de garder la parole de you Dieu. Don't just wake up in the morning. Je te lève pas juste le matin. And you pick few verses and you read. Et tu cherches certains versets et tu lis. And you expect those verses to sustain your spirit man. Et tu attends que ces versets soutiennent ta vie. You don't just wake up in the morning. Tu te lèves pas juste le matin. And maybe you consume one chapter. Et peut-être tu consumes, it tu mets un chapitre. Cannot sustain your spirit, man. Ça ne peut pas soutenir ton homme That's spirituel. That's why you must read and read and read the word of C'est God. La raison pour laquelle tu dois lire et lire you la parole de Dieu. Your day with the word. Tu dois commencer ta journée avec la parole. And you finish your day with the word et of God. Et tu finis ton jour avec la parole. Are you getting me somebody? Est-ce que tu m'écoutes une the personne? The more you do that, le plus tu fais cela, you are capacitating your spirit. Tu as recapacité ton esprit. You are strengthening your spirit, man. Tu as renforcé ton homme. So in the realm of the spirit, alors dans le règne spirituel, your spirit man is strong. Ton homme spirituel est fort. It cannot be manipulated. Ça ne peut pas être manipulé. As you continue, quand tu continues, you will discover that tu vas découvrir some people's dream lives can be manipulated. Les rêves de certaines personnes peuvent être manipulés. Another thing that can influence your dream life, une autre chose qui peut influencer ta is vie, the anointing of the Lord. C'est l'ancien. The anointing of God upon your life. C'est l'onction de Dieu dans ta vie. As a child of God, en tant qu'enfant de Dieu, you must desire the anointing. Tu dois désirer l'onction. You must desire the presence of tu God. Tu dois désirer la présence de Dieu. You must get to a level. Tu dois arriver à un niveau where demons are afraid to come around you. Où les démons ont peur de venir dans you ton entourage. You cannot be a child of God. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. And demons are messing up with you every day. Et les démons en sont en train de you must seek the anointing. Tu dois voir l'onction. Seek the anointing of the tu Holy dois chercher l'onction du Saint-Esprit. I have even seen some people. J'ai vu certaines personnes. They have chosen to mix their rubbing oil with the anointing oil. Ils ont même choisi de mélanger les because les they want to make l'onction. Sure that the oil is always on their head. Parce qu'ils veulent se rassurer que l'huile est toujours seek sur leur tête. Seek the anointing. Cherche l'onction. And it shall be well with you. Et ça sera et toi, in rien name avec of Jesus. Toi. Au nom de Jésus. Next to the anointing. Prochain au nom de l'onction. Is the baptism of the Holy Ghost. C'est le baptême du Saint-Esprit. I tell you without apology. If you are a child of God, si tu es un enfant de Dieu, you are in the church, tu es dans une église, you are not baptized with the Holy Ghost, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, you are in trouble, tu es dans le problème. Because the enemy will always make an attempt to manipulate you. Parce que le diable va toujours faire une attente pour te déposer. Being filled with the Holy Ghost has a positive effect. Pour être rempli du Saint-Esprit, ça a un effet positif dans ta vie. It has a positive effect on your dream life. Ça a un effet positif dans ta vie. The next thing is regular self-deliverance. La prochaine chose c'est la délivrance de soi. Do you know that as a child of God?
Est-ce que tu sais qu'en tant qu'enfant you de should Dieu, learn to always engage into midnight prayers. Tu dois toujours apprendre à t'engager dans les prières de minuit. Engage yourself into some kind of self-delivering prayers. Tu dois toujours t'engager dans les prières de délivrance. You sleep in the night. Tu dors dans la nuit. And you got a nightmare. Et tu as un mauvais songe. You wake up at midnight. Tu te lèves à minuit. You light fire in the house. Tu mets le feu dans la maison. You don't wake up and begin to cry. Tu ne te lèves pas, tu commences you à pleurer. You don't wake up and begin to cry. Maybe you are confused of the kind of dream you have. Tu te lèves pas, commences à te plaindre. You enter into deliverance. Tu entres dans la délivrance. Maybe you sleep in the night, you ate. Peut-être tu as dormi la nuit, tu then as mangé. Then you wake up in the morning. Et tu te lèves le matin. All you are thinking is to eat again. Tout ce que tu penses, c'est la nourriture, c'est de manger. When you sleep in the night and you eat in the dream. Quand tu dors la nuit et que tu manges dans la forêt. You are prepared to declare a fast or not. Declare a fast. Même si tu es préparé de déclarer un jeûne ou pas, tu dois déclarer le jeûne. Don't eat physical food on spiritual food. Tu ne manges pas la nourriture physique sur la nourriture spirituelle. It is a dangerous mixture. C'est une mixture that can lead to serious problems. You get up and you begin to fast. Tu te lèves, tu you pray aller, until that thing expires in your system. Tu pries jusqu'à que cette are you getting me somebody? Est-ce que tu m'écoutes in the personne? Name of Jesus. Au nom de Jésus. Something that can also influence your dream life is the kind of company you keep. Une chose qui peut influencer ta vie de rêve, ça, c'est le type de compagnie que when tu you gardes. Move with good company, quand tu marches avec une bonne it compagnie, has positive effects on your dream life. Ça a un effet positif dans ta vie de when rêve. You consistently do these few things I've just mentioned, quand tu fais ces choses constamment, you will see that your dream life will be balanced. Tu verras que ta vie de songe sera balancée. Now there are also some few things that can destroy your dream life. Maintenant, il y a certaines choses qui peuvent détruire ta vie de son. Flesh. La chair. Flesh. La chair. When you are living in flesh. Quand tu vis dans la chair. Because when there's some kind of dreams you explain to me. Il y a certains songes que je quand tu expliques. That the source of that dream can be traced from the works of the flesh. Que la source de ce songe peut être tracée par when the flesh is in control of your life. Quand la chair est en contrôle de ta vie. Your dream life will be terrible. Ta vie de songe sera terrible. When you the flesh is controlling you. Quand la chair te contrôle. Maybe you spend time watching evil movies. Peut-être que tu as passé du temps à regarder les films démoniaques. You spend time watching horror movies. Tu passes le temps à regarder les films d'horreur. And the moment you close your eyes, you continue the same movie in the realm of the spirit. Le moment où tu fermes tes yeux, tu but this time around, you are the victim. Mais cette fois-ci, tu n'es pas l'acteur. Because you don't know the rules of the movie. You only jump and enter. Parce que tu ne connais pas le rôle de ce film. And they begin to pursue you in the dream. Et on commence à te poursuivre dans le because you watch things that are forbidden. Parce que tu as regardé les choses qui sont qui sont you watch things that are not approved by the Holy Ghost. Tu regardes les choses qui ne sont pas approuvées. Something may not be wrong, but a sin. Quelque chose ne peut ne pas être bon. Something may not be wrong, yet it's forbidden by the Scriptures. Quelque chose ne peut ne pas être mauvaise, mais ce n'est pas approuvé par le Saint-Esprit. Not every movie must be by a child of God. Pas tout mon film peut être regardé par un enfant de Dieu. Something that can also influence your dream is careless eating and drinking. Une chose qui peut influencer ta vie de songe, c'est une mauvaise façon what de manger. What you eat et and drink will negatively affect your dream life. Ce que tu manges et ce que tu bois va affecter ta vie de ta vie. You eat anyhow. Anything you see, you eat. Tu manges n'importe comment. You tout ce que tu vois, tu manges. You become a glutton. Tu deviens une souterraine. You even eat anywhere. Tu manges partout. You eat everywhere. Tu manges partout. You even eat in some places where, in fact, angels are afraid to enter. Tu manges même à certains endroits où les anges même ont anything peur de you see, peur you eat. So it continues with you in the realm of the spirit. Tout ce que tu vois, tu manges, donc ça continue avec toi dans le règne spirituel. It continues with you in the realm of the spirit. Ça continue avec toi dans le règne spirituel. Buying food on the road and eating. Tu achètes la nourriture en route et tu manges. I remember a young man was walking one day. Je me rappelle un jeune homme marchait en route un he jour. He met a woman selling plantains, roasted plantains. Il a trouvé une femme en train de venir en train and there was just three plantains on the grillage. Et on a mis les plantains sur le grillage. Just three plantains. Seulement trois plantains. And there were even no peelings around. Et il n'y avait même pas de and this man just bought the plantains.
Et cet homme a juste acheté. And he ate, and he was crossing the road. Il a mangé, il traversait When la route. When he crossed the road, he turned, he could not see the woman again. Quand il a traversé, il s'est tourné, il n'a plus vu la femme. He put his hand in his mouth to vomit the plantain. Sorry, it's too late. Il a enfoncé sa main pour vomir le plantain. Eating everywhere. Mangez partout. Eating everywhere. Mangez partout. Some of you can even go and eat in restaurants where they sell human parts. Certaines personnes, certains d'entre vous, allez même aller entrer dans les restaurants. Some people when they are hungry, they cannot control themselves. Certaines personnes quand ils mangent, ils ne peuvent pas se contrôler. They can even eat lizards. They can even eat rats like Chinese people. Ils peuvent même en manger les souris comme les gens, comme les Chinois. That's why when you start dreaming here. C'est pour cela que quand vous commencez à rêver Even the pastor ici, may not be able to interpret your dreams. Même le pasteur ne peut n'est pas être capable d'interpréter vos rêves. Prayerlessness. Une vie sans prière. Prayerlessness affects your dream. Une vie sans prière peut affecter ton rêve. It can affect your dream. Ça peut affecter ton rêve. It can affect your dream. Ça peut affecter ton rêve. Now there are some there's something we call dream erasers. Il y a quelque chose qu'on appelle Yes, things that erases your dream. Une gomme de rêve. There are some powers that reduces your ability to recall a dream. Il y a certains pouvoirs qui réduit ta capacité de te rappeler de certains songes. You had the dream. Tu as eu un songe. You wake up in the morning. Tu te lèves le matin. You know that you had a serious dream. Tu sais que tu as un rêve sérieux. And this dream must mean a lot in your destiny. Et ce songe-là a beaucoup à voir But avec ta destinée. You are not able to recall the dream. Mais tu n'es pas capable de te rappeler It du songe. Attack on your spiritual life. C'est une attaque dans ta vie spirituelle. You need to pray. Alors tu dois prier. You need to pray. Tu dois prier. You are a victim of these powers. Tu es une victime de ces that pouvoirs. That erases dreams. Qui efface les rêves. Erases dreams. Qui efface les rêves. We must pray and you destroy those powers. Tu dois prier et détruire ces puissances. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You have to be very careful where you eat. Vous devez être prudent où vous mangez. The things you do. Les choses que vous faites. During the day. Pendant la journée. The things you watch. Ce que vous regardez. During the day. Pendant la journée. Before you sleep. Avant que vous ne dormiez. The things that get into your system. Les choses qui entrent dans votre système. They have a lot to do in your dream life. Ça a beaucoup à y voir dans vos rêves, dans vos vies de rêve. Amen. Dans vos mondes de rêve. Amen. Amen. We are going to look at some symbols of dreams. Nous allons regarder dans certains symboles de rêve. We are talking about dream interpretation. Nous parlons d'interprétation des rêves. What are some of the signs? Quels sont certains signes? Remember, everything has a sign. Rappelez-vous, toute chose a un signe. Let's consider some few symbols. Regardons certains symboles. If you have seen these symbols, si tu as eu à voir ces symboles, by the time you know the meaning of symbol one and the symbol of two, you will know what to. How to interpret your dream when you see these figures in your dream land. Dès le temps où tu vas comprendre deux symboles ou trois symboles, tu vas For example, connaître comment interpréter tes songes. An ankle spiritually stands for faith. Ankle. Yeah. Stands for faith. Don't know, there's no ankle in French. Stands for faith. Okay, if you find that you cannot walk straight in your dream, si tu vois que tu ne peux pas bien marcher dans ton and that your ankles are paining you, et que ton ankle te fait mal, check your feet whether it is standing. If ta talon et que tu vois que ta talon te fait Good, mal, because those are things that helps you to stand firm. Ce sont les choses qui t'aident à te bien so, te tenir. Many people they are looking for dream interpretation. Alors plusieurs personnes cherchent. Yeah, you find yourself in your dream and you cannot stand well. Your ankles are paining you. Tu te trouves dans ton songe que tu ne peux pas bien te tenir debout. Ankles stand for faith. Les talons signifient la foi. God may be saying that your faith is dropping. Ça veut dire que ta foi tombe. Is dropping. Ta foi en réduit. Say, check your stamp with me. Cherche encore où check tu revois. Your stamp with me. Revois ta voix avec moi. When you dream, you see things like reptiles. Quand tu rêves les choses comme les reptiles. All forms of reptiles, such as alligators.
tous les tigres, crocodiles, lizards, alligators, war geckos, les lézards, all these things represent problems. Toutes ces choses représentent les problèmes. Problematic insects or little reptiles. There is no good reptile in the dream. You should not eat with them or party with them. Don't be like a sister who once said as she was trying to escape from an enemy. A crocodile carried her and crossed the river. You had a dream. An enemy was pursuing you. Then you got to a river. Then a crocodile carried you and crossed the river. One problem to the other. You are living from one problem to the other. Tu vis dans un problème. Hallelujah. Allô. Ants represent being industrious or preparation for greater things. La fourmi représente ça te prépare pour les grandes choses. Yes, being in, you know, ants are very, very industrious. Les fourmis sont ants très are hardworking. Ants are creative. Ants can collaborate. Les ants are faithful. Ils sont fidèles. Ants are united. Ils sont unis. They help each other. Les ants, they are builders. Ils sont les bâtisseurs. So when you dream and then you see ants around you, et si tu rêves, tu vois les fourmis. It is showing that ça montre there are some great things coming around you. Il y a les grandes choses qui viennent autour. Being industrial or preparation for greater things. C'est une préparation des grandes choses. Or if you see ants attacking you, et si tu les fourmis qui they can be attacking your business. Ça peut être en train the Lord may be telling you also that you are lazy. C'est où ça dit que tu es pas. Be hardworking like ants. Il fait être travailler comme les fourmis. Be hardworking like ants. Travailler comme les fourmis. Amen. If you see things like abortion in your dream, si vous voyez les choses comme l'abortion dans les rêves. Abortion stands for a miracle that is about to take place, then something happens. C'est que l'avortement représente quelque chose, un miracle qui veut se passer, mais quelque chose de mauvais se passe. You dream, you know that naturally you cannot abort. Tu rêves, tu sais que naturellement tu ne peux pas avorter. But in a dream you can abort. Mais dans le rêve tu peux avorter. It shows chronic failure. C'est une échec chronique. God is saying that if you don't pray, you are going to fail drastically. Dieu en réalité dit que si tu ne pries pas, tu vas faire. A miracle échouer. That is about to happen. Un miracle qui est sur le point then de se passer. Suddenly, bam, everything is gone. Et quelque chose se passe. Tout est fini. Abortion. L'avortement. Some people say, I dream, I saw a hand. Une personne dit que j'ai rêvé, j'ai vu une main. Hand represents power and strength. La main représente la force power et le pouvoir. And strength. La force et le pouvoir. Something is affecting your hand is affecting your strength. Quelque chose qui affecte ta main affecte ton you dream you had no hand, you have no strength, you have no power. Tu as rêvé, tu n'as pas de main, tu n'as pas de force, you tu dream, n'as pas de vie. Your hands are weak, your hands are paralyzed, you have no strength, you have no power. Tu rêves, tu vois ta main est paralysée, ta main est faible, tu n'as pas de force, tu n'as pas de pouvoir. God reveals a dream to you. Rappelle-toi que quand Dieu te révèle un songe, he is showing you your spiritual state. Il te montre ton état spirituel. Which you have the power to change it, que tu as la puissance de changer, or to allow it to happen in the physical, ou de le laisser se passer dans le physique. So whatever you see in the spirit realm, toutes choses que tu vois dans le reste spirituel, is showing you what may soon happen if something is not done about it. Dieu te montre ce qui va se passer si tu ne fais rien de cela. God is saying that something, or this is what will soon happen physically. Dieu te dit, fais quelque chose où ces choses vont se passer. And I will challenge you that nothing happens physically without first of all happening spiritually. Et je te défie que rien ne se passe physiquement sans être produit spirituellement. The world you I are living in, it is a spirit world. Le monde où toi et moi nous vivons, c'est un monde the spirituel. The physical is governed and controlled by the spiritual. Le physique est gouverné et contrôlé par le spirituel. You and I don't make decisions yet. Toi
et moi ne faisons pas de décisions ici. In the realm of the spirit. Les décisions sont prises dans le règne spirituel. There are powers governing the earth. Il y a des puissances qui gouvernent la terre. Them principalities. La Bible les appelle powers in high places. On appelle les pouvoirs dans les lieux hauts. So the world is controlled by the spiritual. Alors le monde est contrôlé par le spirituel. So if you can master the spirit realm, si tu peux maîtriser le règne spirituel, you will be able to succeed physically. Tu serais capable de réussir physiquement. Hallelujah. When you dream, you see army. Quand tu rêves, tu vois l'armée. It is maybe soldiers. Peut-être les soldats. They represent spiritual powers. Ils représentent la puissance spirituelle. Either good or evil. Et entre mauvaisement you dream, ou, you see soldiers. Ou d'une façon. But most of the time, they represent demons. Tu vois les soldats, mais parfois ils représentent most les démons. Most of the time, they are demons. Parfois ils sont les démons. Amen. When you see arrows, quand vous voyez les flèches, represent judgment. La flèche représente le jugement. Whether good or evil. Même si c'est mauvais, arrows ou c'est can bien. Also represent afflictions. La flèche représente aussi l'affliction. You keep on praying, any arrow fired against me. Tu commences à prier. Les flèches qui sont envoyées vers moi. Yeah, I hear people praying. Any arrow fired against me. J'entends les gens de prier, toute flèche qui est of lancée. Of course, you never saw any arrow contre being moi. Fired against you. Oui, tu n'as pas vu une flèche qui est you lancée are talking contre about toi. Afflictions. Tu parles de l'affliction. Problem. Les problèmes. So when you see an arrow coming towards you in the spirit realm. Alors si tu vois une flèche qui vient vers toi dans le spirituel. Those are arrows of affliction. Ce sont les flèches d'affliction. God is telling you wake up, afflictions are coming your way. Dieu te dit lève-toi, les afflictions. God is saying wake up and pray because the enemy is targeting you. Pray. Dieu and send those dit, afflictions lève-toi. Back. Dieu te dit lève-toi et prie parce que les afflictions. And if you don't pray and do something serious about it. Et si tu ne te lèves pas et que tu ne pries before pas. Before you discover afflictions from nowhere begin to come your way. Et tu vas découvrir les afflictions de nulle part vont commencer à venir vers toi. We talk about ashes. Nous parlons du sang. Ashes represent repentance or destruction. La cendre ne représente la repentance ou la destruction. Remember when Jonah was sent to Nineveh? Rappelez-vous quand Jonah était envoyé dans Nineveh? To go and preach against the city to destroy for God to destroy it. Pour aller prier contre la cité pour que Dieu. Bible says when Jonah went and he ministered in that great city la called Bible Nineveh. Quand Jonah allait, il a rendu ministère. The people repented. Le peuple s'est repenti. Until they carried ashes and pour it upon themselves. Et ils ont pris la cendre et ils ont so, versé sur eux. Ashes represent repentance. Alors la cendre représente la repentance. In the positive side, it has two meanings. Dans positivement. And in the other way, it represents destruction. Et de l'autre côté, ça représente la destruction. You only find ashes when wood have been consumed. Tu découvres la cendre seulement quand le bois était brûlé. And when you see an axe. Quand tu vois la hache, it represents rebuke. Ça représente you may be going astray. Sûrement tu regardes. And God is saying, consider your way. Et tu es en train de te dire que revois ta God voie. God is saying, come back because I may soon rebuke you. Il dit reviens parce que je vais bientôt axe te réprimander. Stand for a rebuke. La hache représente la réprimandation. To judgment. Qui va diriger au jugement. Bible says the axe is laid at the foot of the tree. La Bible dit la hache est mise au pied de l'arbre. That if the tree will not produce, que si l'arbre ne produit the pas, the tree will be cut down. L'arbre serait coupé. So you dream, you see yourself with axe. It's the sign of judgment. Alors si tu rêves de la hache, c'est un signe de it jugement. It is a warning to come back to me. C'est un avertissement de revenir. It's a warning. If you don't change, I will cut you down. C'est un avertissement que si tu ne changes pas, je vais te I couper. I will cut you down. Je vais te couper. I will cut you down. Je vais te couper. Things like balloon, les choses comme les ballons, represent a dashing hope. Représentent un espoir qui est. Can be that is hope shattered. C'est une espoir qui it's est like qui est a fine. Balloon can go up and it's very very promising. C'est comme un ballon qui monte en haut et ça, c'est prometteur. You dream you are playing with balloon with children. Say I were playing. Tu rêves de des ballons, tu joues avec. And you are enjoying.
et tu te rejouis. It is a shattered hope. C'est un espoir qui est brisé. Big in the air. Tu le vois tellement then grand. Then something little just happens and the balloon, bah, is gone. Et quelque chose de petit se passe et hope shattered. Et tout se déchire. Somebody promised money. Une personne t'a promis une grosse somme d'argent. Une grosse somme d'argent. And you are preparing yourself. Et tu te prépares. You are tu es content. Then out of a sudden, mais soudainement, maybe one before you receive the money, peut-être une semaine avant que tu ne reçoives cet argent, dies. Cette personne meurt. Something happened to that person. Quelque chose se passe avec cette personne. And you cannot receive that money again. Et tu ne peux plus recevoir cet all argent. Your hope shattered. Tout ton espoir est détruit, est brisé. Little. Quelque chose de petit. Something just little. Quelque chose de petit. A balloon doesn't need something big to burst it off. Un ballon n'a pas besoin de quelque chose de petit pour le burst. To just all the air inside will fly. Tu as juste besoin d'une aiguille de pain pour piquer et ça s'explose. You dream, you see things like bats in your dream. Tu rêves, tu vois les choses comme les souris dans les rêves. Means witchcraft. Ça veut dire la sorcellerie. There is no good bat. Il n'y a pas de sauve-souris qui est bonne. Why the bat carried you? Même why the bat saved you your dream? Même si ça t'a porté ou ça t'a whatever sauvé dans the rêve, bat did in your life. Peu importe ce que ça fait dans ta vie. A bat is a bat. Une sauve-souris est une witchcraft. Ça représente la sorcellerie. Say, but my mother is a witch, but she helped me. Il dit, ma mère est une sorcière, mais she was only nursing you to grow. Elle était juste a witch is a witch. Pour and grandir. The Bible says, suffer not one to live. La Bible dit, ne souffre pas. There is no good witch. Il n'y a pas de bon sorcier. There is no good witch. Il n'y a pas de bon sorcier. So a bat means witchcraft. Alors la sauve-souris veut dire bat la sorcellerie. Means witchcraft. La sauve-souris veut dire la sorcellerie. You can have things like blindness. Vous pouvez avoir les choses comme la blindness. La vergue. Blindness. Okay. It represents spiritual ignorance. Spiritual ignorance. L'ignorance spirituelle. God may be telling you that you are blind. You don't know anything. Study my word. Une personne va te dire que tu ne sais rien. Tu ne fais que. How do you know that you can dream that you are a blind man? Comment est-ce que tu peux rêver quand tu es un homme aveugle? You dream that you are a blind man. Tu rêves. You can be like this. You dream that you are. See, let me tell you a terrible dream. I once dreamed that I was a cripple. J'ai une fois rêvé que j'étais un nain. I was walking like this, Muslim people with that are ruling. Il marchait comme le sait les then, musulmans. As I was creeping. Et quand I crossed the first junction. J'ai traversé la première. I wake up, then I began to walk. La première entrée et j'ai commencé à marcher. Then I crossed a different junction. Et j'ai traversé une I autre started entrée. Running. J'ai commencé à courir. Then I crossed another junction. I began to fly. Et j'ai traversé une autre entrée. J'ai commencé à voler. Je me suis levé. When I went to God, he said, "It is how you are gradually, you will gradually progress in ministry." Et j'ai demandé à Dieu. Il m'a dit, "C'est comme you will ainsi start que tu as vas commencer à grandir." There is no speed. You will be struggling to walk. Il n'y a struggling pas, to walk. Pas de, you'll be struggling. But there is a stage you will get to a junction that you will drop the struggles, then you start walking. Then you pass a different stage, you will start running. Then there will be a stage where you will not struggle, you begin to fly. Hallelujah. Hallelujah. That was what gave me comfort. How could I be a cripple? Et comment est-ce que je pouvais être but when I got the interpretation, mais quand j'ai une interprétation, I was comforted. J'ai été conforté. So that makes me that even if I am struggling now, alors ça me rappelle que I don't know the stage in which I am now. Je ne connais pas l'état dans lequel maybe je suis I am in that stage of crippling. Peut-être je suis à ce niveau de I don't know the stage of which the church is now. Je ne sais pas le niveau but de I know there is a junction ahead of me. Mais je sais que that is going to change the circumstances around the ministry. Qui va changer les circonstances dans there will be another ministry. Junction again. Il y a encore une autre that will begin to run. Que je vais commencer à and courir. The final junction. Et l'entrée finale. Where we shall begin to soar. Où on va commencer à s'envoler. Hallelujah. Amen. You must know how to interpret
your dream. Tu dois savoir comment interpréter tes songes. Blindness. Means spiritual ignorance. La cécité apporte l'aveuglement spirituel. Blindness. It equally means lack of vision. Ça veut dire également le manque de vision. It may mean lack of purpose. Ça peut être le manque de but. You are just going. Tu pars juste. You are just going. Tu marches. You don't know where you are going to. Tu ne sais pas où. Somebody tu must lead you. Une personne doit te Somebody diriger. Must take you. Une personne doit te If prendre. Nobody comes to help you, si personne ne vient you remain where you are. Tu restes où tu You have no vision. Tu n'as pas de vision. You have no purpose. Tu n'as pas de but. You are just existing. Tu existes seulement. You are blind. Tu es aveugle. Like Samson. Comme Samson. His eyes were blocked off. Ses yeux ont été enlevés. His eyes were removed. Ses yeux ont été enlevés. That was his vision was taken away from him. Alors sa vision était prise. He lost his sight. Il a perdu la He vie. Lost his vision. Il a perdu la vision. So when you dream, you see yourself blind. Alors quand tu rêves, tu te retrouves aveugle. God is telling you, wake up. Dieu te demande de te lever. Get something for yourself. Cherche quelque chose pour toi. Have a purpose in life. Et un but dans la vie. You can't just live like that. Tu ne peux pas juste vivre comme ça. You can't just be walking like that. Tu ne peux pas juste marcher. You must have a vision for yourself. Tu dois avoir une vision pour toi-même. Hallelujah. Bleeding. Spiritual death. Ça veut dire la mort spirituelle. You are dying gradually. Tu meurs silencieusement. You are dying gradually. Tu meurs silencieusement. Remember the Bible says. Rappelle-toi la Bible dit. The life of everything is where. La vie de toute chose est où? C'est dans le sang. There is something so important about the blood. Il y a quelque chose de très important concernant le sang. Your life, ta vie, is hidden in your blood. Est cachée dans ton sang. When you share your blood with somebody, quand tu partages ton sang, you are actually sharing your life with that person. Actuellement, tu partages ta vie avec cette personne. You can be standing here right now. Tu peux être tenu ici. Your brain is functioning very well. Et ton you are healthy. Everything about you is okay. Toute chose something happens. Mais soudainement quelque chose se passe. And you begin to bleed. Et tu commences à saigner. You begin to bleed. You can stand just here and die. Tu peux te tenir juste ici. Life tu meurs. Is going out. Parce que la vie est en train de sortir. The Bible says the life of everything is hidden in the blood. Alors la Bible dit la vie de toute chose est cachée dans le sang. That is why in the Old Testament. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, people were forbidden not to eat blood. Toute personne a été refusée de manger le sang. You eat blood, parce que chaque fois que tu manges le you sang, are eating life. Tu manges la vie. And all life belongs to God. Et toute vie appartient à Dieu. Do we not sacrifice flesh to God? Pourquoi est-ce que nous ne sacrifions pas la chair à Dieu? Blood. On doit juste prendre c'est le sang. There must be the blood. There's sprinkling on the altar. On doit the life sur of that thing goes back to God. La vie de cette chose repart. So when you dream, you are bleeding. Alors quand tu rêves, tu saignes. God is saying that life is leaving you. Dieu en réalité dit que la vie en réalité. Something important is leaving your spiritual man. Quelque chose d'important en réalité quitter ta vie God spirituelle. God is telling you, wake up, do something, do Dieu something. Dieu en réalité dit, lève-toi, fais quelque an chose. It is an emergency. C'est une urgence. You are dying. Tu meurs. There are a lot of things that can kill somebody. Il y a plusieurs choses qui peuvent tuer quelque But chose. But when quelque the man chose. Is bleeding, mais quand un homme en it becomes an emergency situation. Ça devient une situation urgente. So when you dream, you find yourself bleeding. Alors quand tu rêves, tu te trouves God en train de saigner. If you don't do something fast, Dieu en redit que si tu ne fais rien rapidement, finished. Tu es fini. You are finished. Tu es fini. We are talking tonight on principles for dreams interpretation. Nous parlons ce soir des principes pour interprétation des songes. So when you are bleeding, you are dying. Alors quand tu saignes, tu spiritually, meurs. Spirituellement. Wake up. Lève-toi. Check your spiritual life. Reprends ta vie spirituelle. Check your spiritual life. Revois ta spiritualité. Are you growing? Est-ce que tu grandis? Are you dying? Est-ce que tu meurs? Amen. We look at some colors. Colors like blue color. Regardons les couleurs comme la couleur bleue. May stand for the Holy Spirit. Ça signifie le Saint-Esprit. We always have to know the blue heavens. Nous avons toujours le ciel bleu. Don't forget, white also stands for the Holy Spirit.
Le blanc but mostly signifie it is blue. Le Saint-Esprit, mais, it's blue. Mais la majorité des green, temps, spiritually, stands for safety. Et le vert, spirituellement, ça signifie... safety. Vous êtes protégé, ça va. La protection. Okay. Red stands for danger. Le rouge signifie le danger. Danger. Le danger. Red. Le rouge. You dream, you saw somebody in red. Tu as rêvé, tu as vu une personne dans, en rouge. It's too dangerous. C'est dangereux. Occultic people. Ce sont les gens d'occulte. They always use red. Ils utilisent toujours le rouge. Red pieces everywhere in their homes. Les tissus red rouges. Red pieces everywhere at their job site. Les tissus rouges partout. Everything about them, red. Toutes choses les concernant, red c'est le stands rouge. For danger. Le rouge signifie le danger. You have somebody who is addicted to red. Tu as une personne qui est addict au rouge. That person has a question mark in his or her life. Cette personne a une pointe d'interrogation red dans sa vie. Red stands for danger in the realm of the spirit. Le rouge signifie le danger dans le règne. White means holiness and victory. Le blanc veut dire la sainteté et la victoire. White, holiness. Le blanc. I hope you know that sometimes j'espère que vous savez que parfois, the color you are addicted to has something to do about your personality. La couleur où vous êtes addicté a quelque the chose the color you are addicted to la couleur où que vous has avez, something to do with your spiritual state. A quelque chose à y voir avec ta vie, ton état spirituel. Colors. Les couleurs. So somebody who loves white, it stands holiness, purity. Une personne qui aime le blanc, my wife aime is loving. La purité. But because I can buy all my dresses white. Ma femme rit parce que je peux acheter she tous mes vêtements blancs. She has spoken onto. Elle a parlé. I don't know why. I just like je ne sais white, pas pourquoi, white, mais j'aime white. Le blanc. Amen. 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 White stands for holiness. Le blanc signifie la sainteté. And my Bible says, sainteté. Without holiness, sans la sainteté, nobody. Can see God. Personne ne peut voir Dieu. Without holiness, sans la sainteté, no matter your charity, peu importe, no matter your spirituality, peu importe ta spiritualité, no matter what you do in the presence of peu importe God, ce que tu fais dans la présence de you Dieu, will come to church. Tu viendras dans you'll be a champion in the church. Tu seras un champion dans but l'église. At the end, you will not see God. Mais tu ne verras pas you can enter somebody's house. Tu peux entrer dans la maison d'une personne. You will not see my face. Mais tu ne veux pas voir ma face. Absalom was with King David for 2 years. Never saw King David's face. Absalom était avec le roi David, mais pendant his 2 years, il n'a pas vu son visage. Absalom, you will not see my face. Il a dit à son fils, you tu ne verras pas mon face. To see the king. Tu n'es pas digne de for voir two le roi years, David. Your child living the same compound with you. Ton same, enfant do not see vit dans your la face. Même maison avec toi, mais il ne voit pas ton visage. You will not see God without holiness. Tu ne verras pas Dieu sans so la white sainteté. Stands for purity. Alors le blanc signifie la purité. White purité. Stands for holiness. Le blanc veut dire la white sainteté. Stands for victory. Le blanc signifie la victoire. Brown represents a cleaning. Le marron cleaning. Représente le nettoyage. Chair represents rest. La chaise représente le repos. Rest. Le repos. Hallelujah. May God give you rest. Que Dieu te donne la paix. You don't rest in peace in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Cat represent unclean spirits. Le chat représente un esprit qui n'est pas propre. Yeah, you dream, you see cats. It's like unclean spirits. There's no good cats. Tu rêves, tu vois les chats. There's no good cat in the spirit realm. Il n'y a pas de bon chat dans le règne spirituel. There is no good cat in your dream. Il n'y a pas de bon chat. They are unclean spirits. Ce sont les esprits sales. Drawing circles or seeing circles represent endless situations. Les ronds circles. Ou les cercles. Circles. Les cercles veut dire endless situations. Les situations sans cesse. Some people are turning around. Certaines personnes tournent leurs entourages. Turning around. You see, the moment you have some dreams, it helps you to know what to pray. Le moment où tu as certains rêves, you don't just get up and connaître ce que tu dois prier. You are just praying. Tu n'as pas te lever, tu pries juste. When I wake up in the morning, quand je me lève au matin, je m'assois. And I try to recall what I just tried. Et j'essaie de me rappeler ce que that j'ai gives rêvé. Me directives how to pray, what to pray.
Ça me dirige de comment prier Because et quoi prier. Some of you don't have financial problems. Parce que certains d'entre vous n'ont pas les problèmes financiers. Everybody's problem is quite different. Tout le problème so you should de, be able, that's why I said our dreams are our spiritual monitors. C'est cela que j'ai dit, nos rêves sont nos moniteurs. Your dream is a window where you can look through to see in the realm of the spirit. Ton rêve est une fenêtre où tu peux te prier. And that realm determines this realm. Et ce rêve détermine so ce you rêve. Look, you screen your dream. Alors tu regardes ton rêve. Then you now know your problems. Et tu connais ton Then you problème. Begin to pray tu commences à prier your dreams. Selon tes rêves. You don't just pray. Tu ne pries pas juste. I don't just pray. Je ne prie pas seulement. Hallelujah. Hallelujah. Death represents termination or destructive infirmity. La mort représente la termination ou death terminate life on earth. La mort représente la mort sur terre. See yourself in the desert represent desolation and wilderness experience. Te voyant dans le désert veut dire tu es dans le tu expérimentes le désert dans la vie. Wilderness experience. Tu expérimentes la sécheresse. Isolation, loneliness. L'isolation. Some people are so lonely. Certaines personnes sont get up, they are always alone. Ils se lèvent, ils sont toujours always seuls. Alone. Ils sont toujours seuls. You see yourself having passing through. Let me say doors. Door stands for opening. Tu te vois en train de passer à travers les portes. Les portes veut dire. Door stands for opening. L'ouverture. Opening. L'ouverture. Opening. L'ouverture. A door can stand for an opening. La porte peut représenter if une ouverture. I want to get deeper, et si je vais a woman also represents a gate in the realm of the spirit. Une femme représente aussi une porte. A gate in the sense that nobody enters the world without passing through a woman. So women are gates. Qui veut the dire que realm. Personne n'entre dans le monde sans passer à travers une femme. But doors are opening. Mais les portes sont les ouvertures. Women are gates. Les femmes sont les portes. Praise the Lord. Dust may represent humiliation. La poussière veut dire illumination. Humiliation. You find yourself in. Remember, ashes stands for what? Repentance and destruction. La cendre représente la repentance et la destruction. But dust stands for humiliation. Mais la poussière représente l'illumination. When people repent, they throw ashes, not dust, on themselves. Quand les gens se repentent, ils prennent la cendre, ils mettent sur eux. But when somebody poussière. Does something terrible, an abomination, they carry the dust and they throw it in the air. Mais quand une personne fait quelque correct? Chose d'abomination, ils portent la poussière. Good. So dust stands for humiliation. Alors la poussière représente l'humiliation. Humiliation. Something will happen to you that you will be disgraced. Quelque chose va se passer avec toi que tu seras dégracé. You will be publicly humiliated. Tu seras humilié publiquement. You will be humiliated publicly. Tu seras humilié publiquement. So that means you should pray. C'est vrai que tu dois prier. An egg represents a seed or a potential plant. Représente une semence ou yes, un seat. Plan potentiel. Though it is small in your hands, ça peut être, même quand but c'est it contains main, a life. Mais ça contient it contains vie. A totality of a creature. Ça contient une totalité d'une créature. So when you eat one egg, you have eaten one fowl. Et quand tu manges un œuf, tu as mangé un poisson. Though it is small in your hands, même quand c'est petit dans ta main. Amen. So you can imagine how many fowls you eat every day. Alors, how many fowls you have destroyed combien, in this world. Combien, just de try to imagine. Dans Amen. So eggs represent what? Alors, l'œuf représente seeds. La you're having a seed in your hands or la, a potential plant. Ça représente la graine dans ta main ou fire. Un plant potentiel. Fire is very good in the name of the spirit. Le feu est très bon. It stands for purification. Ça signifie la purification. Purification. La purification. You know, We gold is refined in fire. L'or est créé dans le feu. And when it comes out, it is pure gold. Et quand ça sort du feu, c'est l'or pur. When they just remove gold, it is not pure. Quand on vient juste it goes through fire to be purified. So when you are going through some fire of life,
Alors quand tu traverses le feu de vie, God is working in you. Dieu en fait œuvrer dans toi. You are going through difficulties, fire. Tu traverses les difficultés. Moments of challenges you cannot explain. Les moments de défis que tu ne peux pas expliquer. You try to come out, you are confused. Tu essaies de sortir mais tu es confus. God is purifying you. Dieu te God purifie. Is working in you. Il œuvre en toi. I will let you know. Any problem you go through, tout problème que tu traverses, if you don't become bitter, si tu ne deviens pas amer, you become better. Tu deviens mieux. Any challenge a child of God goes through, tout défi qu'un enfant de Dieu traverse, if you don't become bitter, si in your tu ne deviens pas amer dans ton esprit, you become better. Tu deviens mieux. As it is said, quand c'est dit, anything that doesn't kill you, tout chose qui ne te tue pas, makes you better. Ça te rend mieux. Makes you stronger. Ça te rend plus fort. A wise man says, un homme sage a dit, sometimes God takes us to the water, parfois Dieu nous amène dans l'eau, not to drown us, pas pour nous noyer, but to wash us, mais pour nous laver. Sometimes God allows tears to come out of our eyes, parfois Dieu laisse les larmes couler de nos yeux, so that we can see better. Pour nettoyer les yeux. So fire stands for purification. Alors le feu représente la purification. Pastor, I'm going through fire. Je suis pasteur, je traverse le fire. That fire wasn't made to kill you. Ce feu n'était pas fait pour te tuer. The fire was made to purify you. Le feu était fait pour te purifier. But listen. Mais écoute, if you jump out of the fire half purified, si tu sautes hors du feu demi purifié, you will be useless. Tu seras inutile. You will be useless. Tu seras inutile. Tell your neighbor, go through your fire. Dis à ton voisin, traverse le feu. Go through the fire. Traverse le feu. Many of us are going through fire right now. Plusieurs d'entre nous traversons le feu maintenant. I'm going through fire. Je traverse le feu. Serious fire. Un feu sérieux. The Lord told me. Et le Dieu m'a dit. If you come out of that fire, si tu sors de ce feu, when it's not your time, you will be useless to me. Tu seras inutile. So fire helps to purify. Alors le feu aide à purifier. Have you ever seen a chicken that was half not well incubated? Est-ce que tu as vu un œuf qui n'était pas bien an egg not well incubated is useless. Un œuf qui n'est pas bien couvri, c'est inutile. It can consume. C'est pas ça peut pas être consumé. It cannot be used. Ça peut pas être utilisé. It doesn't become the chicken. Ça peut plus être. It is useless. C'est inutile. So fire stands for what? Purification. Alors le feu représente la purification. So when you dream, you find yourself in fire. Quand tu te retrouves dans le feu, it is a sign of a difficult season. C'est un signe d'une saison difficile. But that season is not going to kill you. Mais cette saison ne va pas te tuer. It's going to help you become a better person. Ça va Hallelujah. T'aider à être une personne meilleure. Hallelujah. Fire stands for purification. Alors le feu représente la purification. Maybe you dream you are falling. Peut-être que tu as rêvé, tu falling tombais, from a mountain. Tu tombais de la montagne. Falling means tu tombes, tiredness and failure. Ça veut dire la fatigue et l'échec. Yes, falling. La chute. Was the pastor I dreamt I was falling from a very tall mountain. Le pasteur, j'ai eu un rêve. The time I got down, bam, I wake up. Et je me suis réveillé. I have to pray. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Garbage represents being rejected. La salité représente rejection. La rejection. Le rejet. Maybe you are putting your files, your document in order for a job. Peut-être tu rassembles ton document. You want to be employed, travail. You go and deposit it somewhere. Tu vas être employé, mais tu peux pas aller then déposer. Then that night you personne. Dream, you're always seeing but dustbin, garbages. Et cette nuit-là, tu rêves seulement. God is saying if something is not done, that's how they will wrap your documents. Tu en réalises que si quelque chose n'est pas fait, on va dustbin, rejection. On va mettre tes documents dans rejection. La poubelle. Your documents not be rejected in Jesus' name. Que tes documents ne soient pas rejetés au nom so de Jésus. So garbage stands for rejection. Alors la poubelle veut dire rejet. Yes, rejection. Le rejet. Corruption. La corruption. Or equally uncleanliness.
ou également l'impurité. Uncleanliness. Ou l'impurité. Maybe ou you dream also you are walking barefooted. Peut-être tu as rêvé que tu marchais sans nu-pied. Barefooted. Tu marchais nu-pied. Have you ever dreamed that before? Est-ce que tu as rêvé cela un jour? See, I was walking barefooted in my dream. Je marchais nu-pied dans mon lack sein. Of preparation. Tu as manqué de préparation. No preparation. Tu n'as pas de préparation. Just do things anyhow. Tu fais tout chose. It's like you just jump from somewhere and then you went in an examination class to write. C'est comme si tu es quitté de nuit par tu es entré dans it la salle you unaware, walking barefooted. Et ça t'a surpris. It may equally mean no defense. You are defenseless. Et ça également veut dire tu n'as pas de défense. You are not protected. Tu n'es pas protégé. You are exposed. Tu es exposé. Anything can pierce through. You are walking barefooted. Barefooted. Shoes were meant to protect your legs. Les chaussures ont été faites pour protéger. Shoes defend your legs from thorns. So you dream you are walking barefooted. God is saying that, brother, you need some. You need protect. You need some defense. Alors quand tu marches, tu as God is saying, sister, you are not prepared. You lack preparation. Maybe you want to write an exam. Peut-être tu veux composer walking barefooted. Et tu vois, tu God is saying, read where you are not ready. You are not ready. Lis bien, tu n'es pas encore prêt. You aren't married. You see, I say walking barefooted. Marié, tu te trouves en train de marcher nu. Bro, you not be ready for marriage. Tu n'es pas encore prêt de te marier. Oh, you the sister, you saw the man walking barefooted. He's ou not ready. Tu vois la seule, toi la seule, married. Tu vois l'homme en train de marcher nu pied. Lack of preparedness. Le manque de préparation. All you want to do is you want to get into something, but you are not ready for it. Tu veux entrer dans quelque chose, mais tu lack pas of prêt. Preparation. Le manque de préparation. Lack of preparation. Le manque de préparation. Lack of preparation. Le manque de préparation. May you be prepared in Jesus' name. Tu sois préparé au nom de Jésus. Gate represents an entry. La porte représente une entrée. Gate. La porte. Represents an entry. Représente une entrée. Every good city has a gate. Toute bonne cité a une porte. Every good city has a gate. Toute cité a une porte. You can dream and you see that a gate was locked against you. Tu peux te retrouver que une porte a été fermée contre toi. Or a door was shut up against you. It's too bad. Ou une porte a été fermée contre toi. You c'est must mauvais. Pray and open it back. Tu dois prier et l'ouvrir. Then somebody is pursuing you. Tu as rêvé qu'une personne te suit. You ran and you ran and you ran until you could not run again. Tu as couru, tu ne pouvais pas courir. It means the failure is certain. Ça veut dire que l'échec est certain. Problems are certain to come your way. Les problèmes sont certains à venir dans ton. Seeing yourself in your hotel means temporal blessing. Te voir dans un hôtel. I dream we're in one hotel. Je me suis trouvé dans une the hôtel. Blessing will come but will not last. It's not yours. Une bénédiction viendra mais ça ne va pas durer. It's not yours. Ce n'est pas pour toi. It's not yours. Ce n'est pas pour toi. Something can also influence your dream. Quelque chose peut aussi influencer ton. For example, rêve. You sleep in a hotel that maybe or in a room that are doing prostitution. Peut-être tu dors dans une chambre qu'on fait la prostitution. You just enter to you too, you sleep. Et tu entres toi-même aussi, just tu dors. Imagine the kind of dreams you have that night. Et juste imagine juste le genre de songes que tu vas. You go somewhere, you are traveling, you book a hotel and you just sleep in the room. Tu vas quelque part, tu voyages et tu and before you, a prostitute just used that room. Et one avant man. Toi, une prostituée a and utilisé cette chambre. You now, you just came and then you enter your own. You et sleep. Maintenant toi, tu viens, tu entres et tu dors. Such environment can influence your dream. Ce type d'environnement peut influencer ta vie. Or you live in a house where the foundation is bad. Ou tu vis dans une maison où la fondation est mauvaise. Some houses that before they built it, they buried things under. Il y a certaines maisons que avant de les bâtir, on a you two, enterré les you just carry your big head. You don't know, you know nothing. You can't enter inside. Toi-même, tu ne connais rien. Tu as été so that is for night. You see all kinds of signs. You are seeing things. Et la nuit, tu commences à voir les mauvaises choses. Those things that also influence your dream. Ces choses-là peuvent aussi influencer ta vie. I don't understand. See, like this house, trouble. Depuis que je suis entré dans cette maison, les problèmes. Foundation of that house is not good. La fondation de cette maison n'est Bible pas bonne. Bible says in
Psalm 11, verses 3. La Bible dit dans Psalm 11, verset 3. He said, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? Il dit, ça dit, si la fondation est détruite, qu'est-ce que la juste peut faire? You enter a place, foundation, the worry owner. Tu entres quelque part et la fondation even this church show, the person of God, either give the house or he give our own place. Come on, go. Nous prions que cet endroit, si Dieu, que Dieu nous donne cet endroit. We are not afraid of demons, but we know that we are fighting demons of Oku people. Nous n'avons pas peur des démons, mais nous combattons les démons des gens. We know that we have two battles to fight in this house. Nous savons que nous avons deux batailles à combattre. We fight to do for Oku. Combattons les démons. Beside our normal devil that we are fighting every day. Et nous combattons les démons. Are we hiding it? Don't we know that? We know. Nous savons. We have two demons here. Nous avons deux démons ici. The one that say this house is our house. Ceux qui disent que cette maison. Then we too will say we will pay this house. Et so nous, now we'll get the house. Et nous disons que nous payons cette maison. Amen. Hallelujah. So I hide it from you. We are so know as you pray, amen. Alors, when you pray, say, I bind that juju in that house. I bind you in Jesus' name. Tu dois dire, je the one come from Oku. We send you back to the village. C'est donc où tu renvoies sa vie. I'm sure they hallelujah. Amen. It's right. But our God is stronger. Bible says when the Ark of the Covenant was taken to the temple of Dagon, they were fighting. They fought together. Temple, ils ont combattu. The Ark of the Covenant was kept there. L'Arche de l'Alliance était was kept before Dagon. Dagon stood like this. Dagon s'est tenu debout. Before they came the following morning, Dagon fell he fell. Avant the Ark of the Covenant. Avant que avant le lendemain, il est tombé devant l'arche de l'alliance. The deacon came and wake up Dagon. Said, Dagon, please don't disgrace us. Et le diacre venu. You are our God. Please don't disgrace us. Le diacre venu taper et a dit Dagon, tu es notre the Dieu. Wake Dagon. Dagon stood again. Et il s'est placé avec lui. The following night there was still fight. La nuit qui suivait, il y avait toujours un combat. In the morning, Dagon fell, and this time around, his head was cut, and his two hands were broken. That's when they knew that even though God was in the hands of Dagon, yet God has power everywhere. Hallelujah. That is where we are standing. That is our stand. We say, even if we are in your hall, we serve a living God. So Dagon must bow. Alors Dagon doit se prosterner. Hallelujah. All their powers must bow. Les pouvoirs doivent se Bible prosterner. Says, at the mention of the La name Bible of Jesus, every knee must. Tout genou doit se prosterner. That is where we stand. C'est là où nous tenons. It is a fact. C'est un fait. That they are there. Sont but là. By faith, mais par la foi, we send them out in Jesus' name. Nous les chassons au nom de Jésus. Amen. If you live beside a dead doctor, si tu vis à côté des marabouts, of course you surely have some strange dreams. Oui, tu vas avoir les strange dreams. Les songes étranges. Strange dreams. Les songes étranges. Amen. We are still looking at some signs, symbols. Nous regardons toujours certains symboles. I say, seeing yourself in the hotel means temporal blessings. Te voyant dans une hôtel veut dire une bénédiction temporaire. God is saying, I will bless you, but the blessing will not last. Dieu te dit, je vais te bénir, mais la bénédiction ne va pas durer. Something good will come your way. Quelque chose de bien viendra vers toi. Stop boasting. That thing is not yours. It's only passing. Mais arrête de avoir l'orgueil. It's like a friend of yours just passed and picked you in his car. C'est comme si un ami de toi t'a ramassé dans sa voiture. You now sit behind the car. Then you put your hands up. Then where the worker? You see, pay a friend a day. You wind down the lovers. I mean, they see you. They see tu, you fine. Yes. Et they say, we saw him. Was marcher, the car. T'assois derrière le siège de derrière. Tu maybe your friend that came from Europe spent 1 week and you were moving around him. After 1 week, I think it's gone. I say, oh boy. Like one day, I saw one guy passing in a rough cart. That way. Une personne que j'ai vu he passed in front of my workshop. Il a traversé, about 30 minutes. Après 30 minutes, I was coming back home. I met him around this way with a wheelbarrow. I said, oh boy. Je l'ai trouvé avec la bouette. It was this guy. Yeah, man that used to come and make funny. I said, oh boy. From Rafka to Wibaro. It's not you that saw just him the go. The Rafka. I'm saying you Rafka. What's happening to you? From Rafka to Wibaro. Did that not happen to you in Jesus' name?
que ça t'arrive pendant you enter Ravka, you ride Ravka forever. Si tu entres dans le Ravka, tu vas toujours. Can you pass this way with Ravka, then come out this way with Ubaru? Comment tu peux passer ça avec la Ravka et tu passes au côté avec Alléluia. Amen. So, seeing yourself in a hotel may mean temporal blessing. Alors, te voyant dans une hôtel veut dire. You see yourself with keys. Tu te vois avec la clé. For authority to bind and to loose. La clé représente l'autorité et la liaison. Jesus told Peter, "I give to you what? The keys of the kingdom." Je te donne la clé du roi. Then he now continued and said, et "Anything il a dit, you bind, il dit tout ce que tu vas lier, is bound in heaven." Et and whatever you ciel, lose et tout ce is que tu loose détaches, in heaven. Est détaché au ciel. So you have keys. Alors tu as les keys is not just to open the door. No. La clé n'est pas juste keys pour ouvrir stands la for authority. La clé, God has given you authority. Dieu t'a donné l'autorité. Get up and start using that authority to bind. Lève-toi and to et commence à utiliser the cette more clé you use it, pour the more things will now open for you. Le plus tu détaches les choses, le plus les choses seront ouvertes vers toi. Hallelujah. If in any dream you see somebody struggling to take a key from your hand, si dans n'importe quel rêve tu vois une personne se battre pour prendre les clés d'intérêt dans ta main, hallelujah, tu dois reprendre cette clé. Amen. Amen. You dream somebody is kissing you. Tu rêves qu'une personne t'embrasse. Enticement, seduction, whether it is your wife, your husband. You do not marry her in the dream. Please, même si c'est ta let femme, her c'est not qui, kiss you in the dream. Qui ne t'embrasse what pas dans l'oreille. Say, please, let this thing même si c'est stop. Qui, don't tu kiss que me in the dream again. Ne m'embrasse plus dans l'oreille it encore. Is seduction. C'est la séduction. Enticement. C'est l'intention. It should be restricted in the physical realm. Ça doit être refusé dans le ladder means ascending or descending. L'échelle veut dire monter ou it descendre. It all depends on how you use it. Ça dépend de comment tu l'utilises. Ladder means ascending or descending. L'échelle veut dire it monter ou descendre. It all depends on how you use it. Ça dépend de la manière dont tu moon l'utilises. Moon stands for false worship. La lune représente false worship. L'adoration fausse. Faux adoration, yeah. Like the Muslims, those other fake religions, you see them worshiping the moon. Comme les musulmans, so les moon stands for religion. False worship. Alors la lune représente mountain, l'adoration fausse. When you see yourself on top of it, it means victory. Mountains. Les montagnes. You see yourself on top. Tu te retrouves sur une montagne. It stands for victory. Ça veut dire la victoire. When you see yourself confronting, quand tu te confrontes, it means obstacle. Ça veut dire l'obstacle. It may stand for victory if you are on top of the mountain. Ça représente la victoire si tu es en haut you de la the montagne. Victory. Tu as la victoire. You are beneath at the foot of the mountain. Et si tu es au pied de la montagne, it means obstacles. Ça veut dire l'obstacle. So it all depends on your position on the mountain. Alors ça dépend de ta position. Many of you always see yourself climbing a mountain that never ends. Plusieurs d'entre vous vous retrouvez en train de monter une montagne qui ne cesse jamais. Endless struggling. Un parcours you have been climbing that mountain. You always dream you are climbing that mountain. You always dream you are climbing a particular mountain. Tu rêves que tu montes une you montagne. You are struggling in life. You have to pray. Tu Father, te put this dans struggle. La vie. Help me to climb this mountain. Tu you find yourself Seigneur, on top of that mountain. Victory is still very far from you. Tu te retrouves jusqu'à que tu n'aies pas sur cette montagne. La victoire est loin de toi. Amen. Racks. La serpillère. Poverty. La pauvreté. Racks. La serpillère. Racks means abject poverty. La serpillère veut dire pauvreté. Some people are poor. Certaines personnes sont pauvres. We know that they are poor. Oui, on sait qu'ils sont pauvres. Yet there are some that are really poor that the poor people call them poor people. Certaines personnes sont tellement pauvres à une façon dont
Les pauvres, the poor les man appels, says that man so. Les poor. No, he reached on level way. He said, no, me. It's okay. Tu arrives, that man. Tu arrives à un niveau où tu dis que non, moi, je vais bien. Aide cet homme. It's like you were sick, then you now went to the hospital. C'est comme si tu étais malade. Then you saw the weak, sick person. Et tu as he vu said, no. Une personne qui est vraiment malade. I'm not sick. Tu as dit, non, je I suis go pas back malade. Home, I'm okay. Je rentre, je vais bien. So some people are poor. Tu sais, certaines personnes sont pauvres. That the poor ones pity them. Que les pauvres même les ont pitié d'eux. You see, sometimes 001. Tu vois parfois 001. And they manage to have 100. C'est un homme à 100. So they get 00 half. C'est un 00 demi. Meaning they did not eat in the morning. C'est qu'ils n'ont pas mangé. They could eat in the afternoon. Ils n'ont pas mangé à la then the evening, just manage. They manage the. Et le soir, ils ont juste 00 half. Like 001. 001 ou 00. Parfois they hardly get 111. They did they get 111. Ils n'ont jamais 111. S'ils ont 111, ils sont au ciel. Racks. C'est bien. You dream, you are always in the rack. Tu rêves, tu es toujours la clothes don't tear, tear. Tes habits sont déchirés. You walk out for bush. Tu marches dans la bouche. Pray. Très prie. No one who went to the mountain were praying. Un jour, nous sommes allés sur la montagne prier. Just praying. On priait. Thanking God, worshiping God. On remerciait Dieu. Then after, a group of young men came up. Après un groupe de jeunes hommes sont montés. The way they were praying. La façon dont ils priaient. We stepped behind. Nous sommes en train de prier. But we really praying. Est-ce qu'on priait vraiment? They were praying and ruling on the rock. La façon dont ils priaient, ils s'envolaient sur le rocher. That problems were serious. Nous avons compris que les problèmes étaient sérieux. Some people deal with their own problems. Certaines personnes ont leurs problèmes. The matter, strong. Dans le problème est vraiment so sérieux. Tu es tellement pauvre que. Oh. Racks. C'est bien. Racks. C'est bien. When blind but mouse. Quand l'aveugle. Was still blind. Quand il était encore aveugle. And he met Jesus. Et il a the first thing he did was to remove his racks, that is garment. La première chose qu'il a fait, il a enlevé son vêtement. A spiritual meaning. Parce que ça a eu une signification remove spirituelle. That garment. Remove it. Enlève ce vêtement. Remove that rack. Enlève cette if cette you pierre. Are having that rack, may it catch fire tonight in si Jesus' name. Si tu as fait cette pierre, que ça prend feu it au nom de Dieu. It attracts poverty. Ça attire la pauvreté. You cannot be in a rack and be a rich man. It's not possible. Tu ne veux pas avoir une cette pierre et tu es un homme riche. There are times that just the way you dress. Il y a certaines fois que c'est mal la façon dont la personne te traite. How you are welcome. Détermine comment tu es accueilli. There was a day we were going to see off some missionaries from Swiss. Il y avait un jour on allait accompagner certains missionnaires de Suisse. Around Douala. I was there with my supervisor and our superintendent. Our superintendent, that is the general overseer of et that zone. Le the supervisor was under him. Et le superviseur était sous then I was just a Sangalong pastor. Et c'était juste un pasteur no galong at all. Pas de galon. I was just walking behind great men. Et je marchais juste derrière but les grands I learned one thing from my father. He always liked to dress in suit. Mais j'ai appris une chose he de told mon parent. Us always dress well. Il nous a toujours dit de so bien that day, for some reasons or no reason, I just had to put on my suit. Alors ce jour-là, pour une raison ou sans and raison, my supervisor also put on his suit. Et mon superviseur a porté la veste. Our big man just dressed him casually and he was walking with us. He was a big man. Et le grand homme s'habillait we went de to façon the, casual. We were at the airport. We et crossed, on crossed one barrier. I don't know how. Then one crossed the other one. They stopped. So hey, you. Come. Et on nous a arrêté. On nous a dit, toi, you and you can continue. They held our big man. Ils ont empêché and they gave him one chair to sit there. On leur a donné une chaise de s'asseoir. You can accompany the white man. Et on a dit, vous pouvez accompagner l'homme blanc. We were just going. On marchait juste. When my big man passed, then he saw me. I passed. Then my big man passed the whole year. He said, I told you. I passed. I put down there. Amen.
way you dress sometimes has something to do with how people respect you. La façon dont tu t'habilles parfois, ça. So even in the realm of the spirit, you find yourself dressed in rags. It has a great meaning. Get up and pray against poverty. Tu dois te lever, tu pray. Tu dois te lever, prier contre la pauvreté. Rings stands for covenant. Les alliances. Les alliances. It's covenant. Et c'est toujours alliance. Les bagues représentent l'alliance. Thank you, God bless you. Okay, so ring is called. The word you always call it alliance. Because the. Okay, so ring stands for covenant. La bague veut dire représente l'alliance. You drink, somebody is giving you a ring. Covenant. You've entered the covenant, a spiritual covenant. Une personne te donne une bague, you dream you have a ring, it is a covenant. There is no empty ring in the realm of the spirit. Il n'y a pas de bague simple. Ring dans stands le for covenant. La bague veut dire. That's why when we are joining marriages here, we give them a ring, an endless covenant. C'est pour cela que covenant without c'est pour cela que quand on célèbre les mariages ici là on donne toujours so les alliances. So in the dream you have someone giving you a ring, get up and break that covenant. Alors you si tu rêves, a covenant with somebody, si tu donnes, si tu rêves qu'une personne te donne la bague, tu vas te lever le matin et tu brises cette alliance. Amen. Root stands for source. Source, root, les racines. Les racines représentent la source. And oh, depthness also. Ou la profondeur. Then, that matter serious. That matter get root. Ça veut dire que cette affaire a deep. It's deep. C'est profond. Salt means that which cannot be corrupted. Le sel veut dire c'est la chose qui ne peut pas être corrompue. Scorpions are all evil spirits producing deadly poison. Les scorpions sont les esprits qui any snake you see démoniaque in your dream represents Satan. Tout ce pan que tu vois dans ta rêve, dans tes rêves représente Satan. Or a small snake. Même si c'est un gros serpent ou it is Satan in one way or the other. C'est Satan dans une façon ou l'autre. Snakes have always represented Satan. Les Satan les serpents représentent the only place Satan. Where they represent Satan is the snake of is the snake of Moses. The that came out to swallow the snakes of the Egyptians. Le seul serpent qui ne représente pas Satan, c'est le serpent de Moïse. But that was not in the dream. That was not in the dream. Mais ce n'était pas dans le rêve. Any other snake represents Satan. Tout autre serpent représente Satan. I think my time is almost up. Temps we may have to continue next time. Sun represents glory and brightness. La lumière, le soleil. Représente la gloire. When somebody says my sun will shine or my sun will set. Quand une personne dit le soleil va briller. It's glory. C'est la gloire. When somebody dies they say sun set and sunrise. Which one is sunset and which one is sunrise? Sunrise is the best, then sunset. Amen. Sun stands for glory. Le soleil représente la gloire. Either it is diminishing ou ça augmente. Tears, les larmes, stand for grief and sorrow. Représente you dream, you are crying, you cried in your dream. Tu as rêvé que tu pleurais. You wake up, pleurais. You did nothing about it. Tu you will surely cry. Tu n'as rien fait de cela. Tu vas sûrement pleurer. You are crying in your dream and you wake up. You did nothing. Surely. Tu pleurais dans les rêves et tu te levais le matin, tu n'as rien fait. Sûrement, tu vas pleurer. Amen. Wrestling in the dream, it means struggling. Tu combats dans le rêve, ça veut dire tu luttes. Resistance. Ça veut dire également la and résistance. Attempting to get control. Et l'attente pour être contrôlé. Zoo means confusion of the highest order. Le zoo veut dire la confusion de la. Before I stop, let me give you some meaning or some few numbers. Que je vous dis la signification de certains. Number one numéro stands for excellence, unity and excellence. Numéro un veut dire l'unité et l'excellence. Number two stands for union. Numéro deux veut dire signifie l'union. The two shall become one. Les deux feront un. Number three stands for completeness.
Numéro 3 représente la It also stands for the Trinity. La completeness. L'accomplissement. Yes, when something is three, it is completed. Quand quelque chose est trois, c'est complet. Most things have three. Plusieurs choses ont trois. Yesterday, today, and tomorrow. Hier, aujourd'hui, demain. Amen. Amen. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Dieu le Père, Dieu le Fils, it also Dieu stands le for the Trinity. Ça signifie aussi la Trinité. Number 4 stands for creation. Le 4 signifie la création. Stands for creation. Ça signifie la création. It is the number of the world. C'est le numéro du monde. The world was created on the fourth day. Le monde a été créé le quatrième. Number 5 stands for grace. Numéro 5 signifie la grâce. Grace. La grâce. Number 6 stands for weakness of men. And numéro the evil of Satan. Numéro 6 signifie la faiblesse. La faiblesse de l'homme et la méchanceté de Satan. Et la méchanceté de Satan. Amen. Can you clap for that interpretation? Hallelujah. 7 stands for spiritual perfection. 7 signifie la perfection spirituelle. 11 stands for judgment and disorder. 11 signifie le désordre and judgment. Et le jugement. 18 stands for bondage. 18 signifie la captivité. 23 stands for death. 23 signifie la mort. 39 stands for diseases. 29 représente les maladies. 39. 40 stands for trials. 40 représente les trials. Probation or testing. Ça représente la tribulation. The Israelites were tried in the wilderness for 40 days. Les Israélites tribulés. Jesus was tempted for 40 days. Jésus a été tenté pendant Moses 40 jours. Fasted for 40 days. Moïse a jeûné pendant 40 jours. So it stands for trials and testing. Et ça signifie la tribulation. Number 66 stands for idol worship. 66 signifie l'adoration d'idoles. 600 stands for warfare. 600 signifie la guerre. 666 stands for the name of the beast, the Antichrist. 666 représente le nom des Antichrist. Antichrist. L'Antichrist. 1000 représente divine completeness. 1000 représente l'accomplissement divin. Divine completeness. L'accomplissement divin. And 1000 also stands for the millennium. Am I right? The millennium reign of Christ. When Christ will come back, he will reign on earth for 1000 years. Quand Christ viendra sur terre, il va régner pour 1000 ans. Those are eschatological teachings. Ça, ce sont les when Christ will come, we are going to reign for 1000 years on earth. Quand Jésus viendra, nous allons régner where pendant he will be the king, ans. King Jesus, on earth, not in heaven. Où il sera le roi Jésus. We call it the millennial reign of Christ on earth. Hallelujah. 1000. Can you clap for that short teaching if you are blessed? Time will not permit us to continue on Friday. Nous allons continuer vendredi. Amen. Amen. On Friday. Any question for today? Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui? Yes, go ahead. Talk with the microphone so that those hearing can hear, they can hear you. Those following us. Okay, if you dream that you are pregnant in a dream. You are pregnant in the dream. If you dream that you are pregnant in the dream, si it is a bad sign. It is not a good sign. Dans l'oreille. Yes, you cannot be pregnant without being married. Tu peux pas être enceinte sans être mariée. It simply means that you have a spirit husband or a spirit wife. Ça veut simplement dire que tu as end up having spiritual children. Pregnant can equally mean carrying a vision. No, pregnant has different meanings. La grossesse veut dire également porter la vision. It can equally mean that you are loaded with a vision. Ça veut également dire que tu es surchargé avec quelque chose. Amen. You are pregnant. You are pregnant with something. Tu es enceinte de quelque chose. You are about to give birth to something. Tu es sur le point d'accoucher quelque chose. Mais dans plusieurs cas, pregnancy in the dream is not a very good sign. La grossesse dans le rêve n'est pas un bon signe.
It is in part with what she just said. It's not a good sign. They are marrying you in the dream. Marriage is not spiritual. Le mariage n'est pas spirituel. Jesus told the disciples that there shall be no marriage in heaven. Jésus a dit à ses disciples qu'il n'y aura pas de mariage. So if you were married spiritually, alors si tu étais marié spirituellement, you will find it very difficult to marry physically. Ça serait très difficile pour toi de te marier physiquement. Or if you succeed to marry physically, ou si tu réussis à te marier physiquement, you live in problems. Tu vas vivre dans les problèmes. You may even lose affection for your husband. Tu vas perdre l'affection pour ton mari. Because the spirit husband parce que l'homme est ton mari not want you to have anything with your husband. Ne veut pas que tu aies quelque chose avec ton mari. So you need to pray until that spiritual marriage is divorced. Alors tu dois prier pour que ce mariage spirituel. Before you can have anything good in your physical relationship. Avant que tu aies quelque chose de bon dans ta relation. There are many women who are married spiritually. Il y a plusieurs femmes qui sont mariées spirituellement. That's why though they are beautiful, intelligent. Même quand ils sont belles they cannot live with a man physically. Ils ne peuvent pas vivre avec un homme physiquement. If they try to, s'ils essayent, their spiritual husband may even kill the man physically. Leur mari spirituel peut même tuer. You have seen cases where a woman will say, "Any man that tries to marry me dies." Tu vas voir dans certains cas où even any man that attempts to marry me dies. Tout homme qui vient pour me marier. Because there is a force behind. Parce qu'il y a une force derrière cette sœur. That destroys any man that attempts to marry her. Qui détruit tout homme qui tente de la marier. There is a story in the Bible. Il y a une histoire dans la Bible. Jesus narrated that story. Jésus a raconté that cette a histoire. That a woman got married to one man. Que une femme s'est mariée à un homme. The man died. L'homme est mort. He got married to his brother. Il a marié in fact, la there were seven brothers. Ils étaient sept frères. She got married to all of them. They were dying and dying and dying and dying. Elle s'est mariée à tous ses frères. The last one, the last brother. Jusqu'à le dernier frère. What do you think was killing those brothers? Qu'est-ce que tu penses qui tuait ces frères? I'm sure that woman had a spirit husband. Je suis sûr que cette femme avec did not want her to have any contact with any man. Qui ne voulait pas qu'elle ait un contact so avec if un you are married spiritually, alors si tu es marié spirituellement, you always have it very difficult in your marital home. Tu vas toujours avoir des difficultés dans ta vie, serious warfare prayer. Alors tu dois t'engager dans we must have seen all these things. We are going to have time to pray. Quand nous allons voir toutes ces choses, and only open your eyes so that you will start discovering why some things are not going well with you. We're going to have time to handle some difficult things in our lives. If you are married spiritually, you will not enjoy your home. Some of you even see the man in the face, in the fashion of your husband. It's not your husband. Certains d'entre vous voient l'homme. Women who sleep with men in their dreams, they get up, they lost affection for their husband. There are some men, they are married spiritually, they don't have anything to do with their wives physically. And the poor woman is there suffering, not knowing what is happening. Et la femme a de souffrir sans savoir ce qui so se passe. Any marriage that takes place spiritually is demonic. Alors toute personne qui s'engage dans qui est mariée spirituellement. A lady told me a few days ago she's struggling to get married. Une femme est venue ici cette année. She saw herself how she was engaged spiritually. I said, hey, pray. Elle m'a dit qu'elle s'est vue spirituellement. That I saw a husband. That it means that the man is coming. Pray. Elle a dit qu'on lui a proposé. Pastor, I saw in the dream. Somebody came and engaged me. I said, that is the main reason you are not engaged up to now. Elle m'a dit